Je suis Lingling Yu. Je viens du Sud-Est de la Chine, Hangzhou. Et je joue du piba, lutte chinoise. Um, si on dit, euh, demande, euh, euh, ma musique a commencé par quand Je dois le dire, quand j'étais 3 ans ou vers 4 ans, euh, une soirée, c'est mon oncle euh, m'a pris à aller et regarder, euh, écouter un théâtre opéra, un Pékin. Bien sûr, l'histoire sur euh, euh, c est, c est, comment on dit euh, très comment on dit euh, euh, rouge. Et je suis assis sur ses épaules. C'est à la campagne, dans le champ, il y a une scène simple. Et puis quand il y a un l'homme. Qui fait le, 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 dans l'histoire, le, il fait euh, l'art martial et avec la musique euh, ensemble de l'Opéra Pékin traditionnel, Tout à coup, me, me donne un flash et, avec cet act, act, acteur et la musique, ça m'a choqué Je dit oh, trop beau! Et en terreur, ça me bouge et je dis, je, je, je dis à mon oncle, euh, je voulais sur la scène quand je, je serai grandi. Et jusqu'à quand je retourne dans la ville euh, pour le, le premier école. et à ce moment-là, dans l'école, on a le petit orchestre les enfants. Et puis, ils ont choisi ceux qui étudient bien, travaillent bien. Et puis pour jouer, et commencer tout le monde avec un violon chinois. Et puis à ce moment-là, euh, mes parents, ils ont aussi un Erhu chinois, euh, violon chinois. Et puis de ce côté, mes parents voulaient, je aussi aussi quelque chose sur un instrument chinois. Et puis l'école, à ce moment-là, j'étais choisie. Et on commence. Et un an après, l'école a besoin. Un jour de piba parce que les, 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 les étudiants grands ils sont allés dans le secondaire et puis ils ont dit ah tu étudies l'instrument très vite euh, c'est toi d'essayer !» essayer Piva. et puis ok je change parce que je suis très contente j'étais très contente de changer avec cet instrument euh, à cause, dans la radio, à ce moment-là, on a écouté presque tous les jours, et il y a quelques pièces de mon dernier prof, l'auteur, euh, c'est lui qui joue. Et puis je sens le pipa tellement joli. Ah oh oui, avant ça, je joue au violon européen, demi-année. et Ça c'est aussi à cause, dans, à la maison on a violon européen, et puis on dit, est-ce qu'on peut jouer ça Bon, enfin, je, 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 je... commence puis Pichiba. À ce moment déjà 11 ans, et après, vers 13 ans, et on a tous les universités, conservatoires, ça commence à euh, rouvrir euh, pour, euh, pour les étudiants. Et j'étais allée à Shanghai, parce que le conserva, central, conservatoire central, c'est à Pékin. Et puis il y a un point pour l'examen. Euh, ex, euh, on a à ce moment-là quatre points dans le, tous les pays. Et Hangzhou-Shanghai est très proche. J'étais allée là-bas. Juste dans ce point-là, on a les, 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 les jeunes pour le secondaire, aussi la Garonne pour l'université. Dans ce point d'examen, on a enregistré pour le, faire le concours plus. 300 et les jeunes voulaient faire cet examen et je suis en dedans. Et enfin, euh, j'ai gagné le premier prix pour le PIBA, c'est pour le, les jeunes le secondaires et le high school. Et j'étais entrée là-bas. Si cette fois je n'ai pas entré dedans, peut-être je change pour le, peut-être étudie pour les sciences scientifiques. Parce que j'ai mathématiques et physique très bon. Et là, je vais vraiment sérieusement commencer pour la musique. Bien sûr, on a beaucoup de cours comme l'école normale, et à côté, c'est la musique. Et j'étais, oui, troisième année de secondaire entrée dans le conservatoire et puis après je reste dans l'université pour euh, enseigne, enseignement comme le professeur de musique pour la musique chinoise et le pipa aussi je dois s'occuper un orchestre euh, de tradition chinoise euh, le Piba, ce nom, euh, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé pourquoi euh, on a utilisé ce nom, ce n'est pas d'origine mandarin. Hein. Euh, en tout cas, cette forme, il vient de l'ancienne euh, cap, les, les, les capitale de Iran, il y a plus de 2000 ans. Et puis, euh, et après, à tout début, il est beaucoup plus petit, parce que dans les anciennes peintures, ou les peintures dans les trou de montagne, sur le mur, on peut le voir, il est beaucoup plus petit. À ce moment-là, aussi, beaucoup avec un plaidre. Euh, et arrivé en Chine, euh, bien sûr, euh, ils ont été aussi joués dans un... Grand ensemble de cours de rois. Et puis une, une partie, il a l'autre forme de psiba, d'ancien origine de chine. Et on, on joue aussi dans le, la vie traditionnelle. Et puis petit à petit, c'est celui-là, je pense à c'est encore sonorité. Encore, il a beaucoup de différentes raisons. raisons et devient un solo, instrument solo, très important, devient un instrument plus important dans l'orchestre chi, tradition chinois. Et on a mis beaucoup de flats, plus en plus, tout début, c'est très peu. Hum, L'instrument, le, 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 le bois derrière, c'est avec les cendres, très dur, parce qu'on a besoin de sonorité aller très loin. Et puis celui-là, c'est le euh, platante. Donc, il peut sortir le son facile. Et la sonorité, ici, il n'y a pas le trou. C'est pour ça qu'il peut sonner, aller loin. Ce n'est pas comme la guitare. Il est rond, le son. Euh, on a plus de petits trous ici, dedans. Ouais, et puis, c'est un son. On peut vraiment aller très loin, très fort. Même un. En... Et ça, c'est les euh, bambous. Euh, c'est le son qu'on a retrouvé avec le Bambou, toucher les cordes. C'est plus joli. Ça, c'est aussi Bambou. Ici, c'est le, le bois rouge avec un peu de l'os ici. Mais les anciens, les euh, cordes, c'est avec un terreau d'animaux. On dit les, cordes, on dit les, les, les noix. Voilà. Et après, c'est avec le soie. Parce qu'en Chine, on traite, on a des soies. Et après, il y a un petit peu de moment euh, autour de l'épicade les, les de la Deuxième Guerre, ou après, ça veut dire avant les années euh, 1960, on avait nylon, un peu de moment. Et après, on a... À cause de la musique, le style de musique, musique, orchestres de la musique chinoise sont plus en plus carrés. Et aussi, il y a des opéras, besoin, la sonorité plus forte. Ok, on a changé le métal. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé. Intérieur, c'est le métal. Externe, il y a de nylon. Le sont plus rond. Euh... Ancien, il y a encore -bas, cinq cordes. Et maintenant, on a reste 4 cordes. Autour de 1991, j'ai absolument arrêté mon travail comme prof dans l'université. J'ai étudié avec le euh, grand maître Léo euh, presque tous les jours, au moins quatre jours, cinq jours chez lui, écouter lui donner les cours pour les autres élèves. Et aussi, je prends le cours. Euh, je préparais, je voulais beaucoup plus complet sur le technique niveau euh, ou la musique de Piva. Euh, et après, bien sûr, je prépare aussi les autres choses. Pourquoi je suis partie? De la, qui était de la Chine, parce que je vois en Chine, ok, économique ont euh, développé très fort, très vite, mais sur le culture, ce côté, on, on a vraiment petit à petit comme euh, euh, être dans le désert. Euh, surtout la musique traditionnelle où euh, les gens, pas très intéressants. Outre comment dire calculer, je, 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 je étudie ça. Après je peux comment euh, être connu ou par exemple beaucoup de monde piano violon euh, tout ça en ce à cause il y a de l'anglais ou les autres qui gagnent le prix international. Donc, les, 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 les dans la société il y a très mauvaise image pour les enfants. Et puis pour le professionnel, on est très rarement peut-être comme un musicien solo, on joue tout le temps, et ce qui dans l'orchestre de musique chinoise, tout le temps, toujours, pas besoin de prendre la tête. Et pour ça, il y a pas mal d'audience européenne, et n'importe quel pays, quand je joue ici, les gens me disent ah, oh, votre musique, on a découvert votre musique différente qu'on connaît. Parce que quand les gens allaient en Chine maintenant pour voyager, tout ça, on a écouté la musique chinoise. C'est les gens, ils ne prennent pas la tête, ils font le mouvement. Ou oh, il y a les gens qui trop sucré, <laughs> trop léger. Ok, ça, on peut parler plus tard. Et je dis, je voulais euh, garder cette tradition et en même temps, je dois aller rechercher plus profond. Même sur l'opéra euh, très ancien ou la musique ancienne. Et l'autre côté, et mon prof a déjà développé cet instrument technique de piba très haut et il a composé beaucoup. Et ce côté, je ne peux pas <laughs> arriver comme lui, mais l'autre côté, je voulais faire en effet. Développer les bas ça sonorité avec les autres instruments d'or de la tradition chinoise. Ça c'est dans mes oreilles, j'ai besoin. Et aussi, on a dans le conservatoire, on est sur la musique européenne. On a quatre, dans le euh, piano, c'est tout le monde, il faut jouer. Solfège aussi. Et dans l'université euh, niveau. On doit étudier l'harmonie, le contrepoint, l'orchestration et l'histoire de l'Europe. Ça, c'est obligatoire. Donc, tout ça, je connais beaucoup différentes périodes de musique européenne. Et je voulais absolument vivre dedans et étudier plus complet. Même, je voulais. J'aime je, je, beaucoup l'ancienne et musique comme baroque et Moyen-Âge et la musique européenne et tout ça j'ai besoin de sortir dans la Chine si en Chine mon pied bas va mourir et je peux être très bon prof et tu, euh, enseigner beaucoup d'élèves je gagne beaucoup l'argent je peux faire mais pour sur la scène pour le jouer je pas la chance pour ça absolument je dois sortir et puis étudier beaucoup complet les autres pays ou surtout euh, la musique ancienne européenne et puis travailler avec les compositeurs modernes. Je voulais euh, construire nouvelle musique entre les pays bas avec les autres. Et je suis très contente d'être en Suisse, c'est le milieu de, de la On a touché différentes cultures et puis pour sortir à les différents pays tout simple et puis ici on a tellement d'informations sur le musique du monde ça ça m'apprend beaucoup beaucoup de choses pour moi je t'ai ici Bientôt, ouais, bientôt 20 ans. Euh, J'ai deux rôles. Euh, une partie, je vais vraiment présenter très profond. Je suis euh, 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 avec mon amour présenter ancienne musique, traditionnelle musique chinoise. Et l'autre côté, à cause que je travaille autour avec musiciens ou compositeurs suisses, euh, même encore les pays voisins. Et quand je euh, amène ces musiciens ou les, les pièces, on a écrit ici pour la Chine. Et je suis aussi très enthousiaste parce que les audiences, ils sont surprises. Ah, oh, la pique avec un instrument européen, c'est comme ça, aussi joli. Je fais les tournées avec à cordes et avec, j'ai un ensemble, dialogue, percussion suisse, Nicolas Goudy habite à Genève, et avec cello. Francesco y habite aussi Genève. Et puis l'autre, c'est le record de Fluit Ça, c'est le premier ensemble contemporain que j'ai fondé. C'est par demande de Radio Suisse à Berne. C'est le monsieur Gilles Keller. Matin, il est retraite. Il m'a demandé le premier concert contemporain. Tout début, c'est le premier concert euh, musique du monde, parce qu'il travaille pour, radio, pour la musique du monde. Et puis après, il a le nid pour le contemporain. Et puis justement, j'attends ses euh, chances pour euh, faire la musique contemporaine. Et depuis la 2001, et je travaille sans arrêt avec euh, euh, la musique euh, contemporaine. Et quand je retourne là-bas, les gens, ils voient mon rôle. Une partie, c'est la chinoise, bien sûr. Et l'autre, je amène l'esprit beaucoup de, de Suisse. Parce que je, ça, ça, dans la vie, partout, et dans la façon de travailler, j'adore les Suisses euh, très sérieux, précis, et ce qu'on on commence à faire jusqu'au bout. Et ça, j'apprends beaucoup. Et aussi, on a une très bonne organisation. Ça m'aide perdu pas le temps. Et, et aussi, euh, il a l'esprit de soutien par les collègues, et même les États euh, de, de état et les fondations. Ça, tout ça me rend une, une, un esprit. Euh, travailler en groupe pour, pour un projet si c'est tout seul, jamais arrivé. Même ces autres lycons Genève, ça me soutient jusqu'à maintenant. Donc, je, je suis tellement euh, touchée, comme je vis dans un grand de famille, euh, ça, ça m'aide. S'il n'y a pas de ça, il n'y a pas ce rôle. Donc, maintenant, je sens, et puis je suis vraiment contente de faire comme ambassade culture. Je voulais présenter la musique. Euh, euh, les musiciens, mais l'autre côté, je voulais présenter, c'est l'esprit et les qualités de travail suisse. Ça, quand je, on fait concert dans le monde entier, euh, avec des différents de, de pays, et je sens, bah, suisse, la Suisse, c'est le meilleur. <laughs> oui, les choses, vraiment, on, on, on travaille organisé bien. Il a, on ne parle pas beaucoup. Mais on travaille jusqu'au fond. Ça, ça m'a appris beaucoup. Oui.